c'est un très très grand. Et j'en ai fait des jeux indés. Hein. C'est quoi ça encore? Je suis fatigué. Allez, on va t'en mettre une dans le fiac. Ça va te faire du bien. Arrêtez de faire genre qu'un scénario. Je vous en supplie. Arrêtez de foutre ma gueule. Oh! Je prends que des trucs qui ont aucun sens à la chaîne! Je suis épuisé! Petit imbécile! T'es bête! Comment allez-vous? On va jouer à un jeu d'horreur qui a l'air exceptionnel, que je veux faire depuis un bon moment, que vous avez déjà probablement déjà vu, mais qui est très courant. Et qui s'appelle Chucksy. Enfin, moi, c'est un type d'horreur et de gameplay qui me fait bien bader. Bon, vas-y, allez, vas-y, c'est bon. J'y vais, frérot. F, on y va. Grunge Art Exhibition. Aucune idée d'où on est. Le premier qui se fout de la gueule parce que je joue les bras écartés, il se prend un timeout. Je vous le dis. Ah, une pièce d'or. Ah oui, c'est vrai qu'on doit ramasser des pièces d'or. Eh, c'est c'est Mario ou c'est un jeu d'horreur là, si vous voyez ce que je veux dire? Où dois-je aller? Là-bas, il y a un petit couloir, c'est gagné. C'est gagné. C'est chiant d'être en tailleur. Screamer de niveau 1. J'ai fait 10 ans de jeu indépendant, c'est pas une lampe qui pète qui va me stopper, frérot. Il est rapporté qu'il y a souvent des gens disparus dans l'hôpital et la police mène une enquête depuis un moment qui n'est pas concluante. On dirait qu'ils ne peuvent qu'inviter des enquêteurs psychiques à venir. Allez, cette traduction, c'est cadeau, c'est proposé directement par moi-même. Il y a une pièce là. Une pièce, on prend pour un con. Ok, super. Aucun problème. Aucun problème, là il y a un petit renfoncement, screamer. Oh. Attention, screamer. Donc moi je suis un policier qui cherche des gens disparus. Hein? Allez, screamer. Putain, je m'y attendais en plus. Ça peut me tuer? Non. Non, il s'agit d'une statue. Ça a ouvert la porte? Ouais, elle est en verte. D'accord, donc à chaque fois les portes on pourra les... Oh waouh, ça fait énormément de portes et des valves. Est-ce que chaque valve est associée? C'est fermé. C'est fermé. Oui. 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 Suis-je en train de perdre la boule? On dirait bien. Violet. Alors ça c'est... Ah, faut que je tourne un autre truc, je sais, j'ai compris, faut que je tourne un autre. C'est incroyable! Fait des pompes ou il se fait taper par un alien nu, c'est incroyable! Allez, on y va, c'est celui-là peut-être? Oui, bleu! Non, non, non! Bien calmé, hein. Ah non, je l'ai fait en première. Peut-être elle. Ah mais je pouvais juste le tuer, gars. Je pouvais juste le tuer, gars. Ouvre les yeux. Ah oui, en effet, en effet, en effet. Vous avez raison. Oh. Ça m'a fait un petit truc dans le... Ok. Ah, c'est trop facile. Magic button. Dans un coin. Non. Ah merde, je m'accroupis juste. Je m'accroupis. Entre deux pics. Ah, ça s'est ouvert. Oh mon dieu, une nouvelle pièce. Oh mon dieu. Oh mon dieu, une nouvelle arme? Ah non, simplement des balles. J'ai de nouveau des balles. Ah attends, là je vais ouvrir une porte. Oh, c'est quoi ça? Des balles? Ouh, j'ai maintenant 76 balles. Quelqu'un a entendu un bruit étrange derrière l'étagère à livres. Est-elle hantée? Elle est où l'étagère à livres? Oh mon dieu, ça a ouvert une porte. Oh non, une valve, il va se passer un truc encore. Attends, il va se passer un truc de merde. Je suis prêt à tirer, je te le dis direct. Vas-y, viens.
excusez-moi, je suis très vulgaire, pardonnez-moi. Non mais je lui tire dessus, elle me tape quand même. À un moment donné, soit j'ai réflexe, soit je l'ai pas. Ah ça, je l'ai vu, ça, je l'ai vu sur TikTok, et je sais que c'est lui. À moins que ce soit lui. À moins que ce soit lui. Il vient de bouger, il vient de bouger. La fille de ma mère vient de bouger. Je suis pas fou, moi. Et ouais, c'est un TikTok, mec. Je vous avoue que j'étais ravi d'être spoil de ça, parce que je me serais chié dessus. Attends, mais il y en a d'autres. Oh putain, enculé. Pardon. Il y en a d'autres, gars. Bah attends, mais gars, frérot, fais un effort. Non, mais globalement, et toi. Non, mais gars, honnêtement. Voilà ce qu'il mérite ton mollet. Wow, il est rapide. Il est entraîné par rapport aux autres. Allez, une coin, deux coins. On a eu celle du premier? Oui, il me semble. Oui, on a eu celle du premier. Et là, hop. Donc, ah oui, donc l'étagère est hantée. Donc c'est derrière ou elle était là? On vient de vivre la partie hantée de l'étagère à livres ou la partie hantée se situe derrière l'étagère à livres? Une question que nous sommes en mesure de nous poser. Vous voyez ce que je veux dire? Si, il y a un truc à faire ici, je suis navré, mais c'est très mal fait. Je suis en... Allez, va te faire foutre. Très honnêtement, va te faire foutre. On n'est jamais trop prudent, Ok, des balles. Ah, ok. Attends, il y a peut-être un autre qui a spawn. Et c'est genre, et là tu t'y attends pas parce que tu crois que t'as clear la pièce. Et en fait, bam, nouveau monstre. Eh non, hélas, malheureusement. Il y a quoi à droite, il y a un truc bleu, c'est quoi? Je ne sais pas ce que c'est. Oh bâtard, non, il m'a eu. Ah vas-y, fais la petite croix sur l'épaule et mets-moi le coup. Je me le fais. Oh bâtard, elle est belle. Non, franchement, elle est belle. Elle est énorme. Comment? J'ai jamais aussi mal tiré dans un jeu. Ah, j'ai compris, il fallait faire les deux et passer les deux épreuves pour que les deux soient vertes, boum, et porte suivante. Je l'ai, c'est bon. J'amène. Mais ça se régale, hein. Oui, je sais pas pourquoi je m'attendais à ce que... Oh. Mais il a gagné en rapidité. Ah, des balles. Il y a des petits escaliers pour aller dans la fête. Et ce jeu est génial, gars. Regarde, il y a une petite escalier. Ah, il faut une crowbar. Une crowbar. Ah, ça, c'est le cochon qui a tué les siens. Il y a du loot, tu aurais pas un monstre juste là. Il y a un bruit. J'aime pas. Ah, monsieur le cochon. Je crois que j'ai bien fou, les gars, le jeu. En fait, j'oublie trop qu'on a un gun, gars. C'est complètement idiot. En fait, oui, le principe d'avoir une arme dans le jeu, c'est de te défendre contre le monstre, c'est-à-dire généralement le tuer. Ceci dit, c'est peut-être le passif Resident Evil, où dans Resident Evil, t'as une arme, mais les boss, tu peux pas les tuer de mémoire. Enfin, il y a certains boss où ton arme, elle fait rien, faut juste courir. Je crois que la crowbar était là, si j'ai pas de bêtises, elle était là, super. Et là, il y a pas le cochon shiny? Bon, quoi qu'il en soit, on a la crowbar, il y a pas de pièce d'or, on a fait ce qu'on avait. Ah, attends, c'est pas lui le cochon rouge, c'est un œuf géant, c'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Hein? An evil egg about to hatch? Non mais, les gars, j'ai l'impression qu'on me fait une blague, je suis en mode aléatoire, là. Mais... Et j'ai eu un succès Steam, détruisez l'œuf caché. Et en même temps, j'ai l'impression qu'on est un peu coincé dans une paralysie du sommeil, vous et moi. Tu sais, on dirait un peu un rêve, le jeu, vous voyez ce que je veux dire? Dans le côté, genre... Des fois, il y a des rêves, tu sais pas pourquoi, tu croises ton voisin, mais il a un autre visage. Mais dans le rêve, t'es en mode, eh, c'est mon voisin, mais c'est pas le bien sûr. Bon, en tout cas, j'ai la crowbar, je peux ouvrir ça. Ah ouais, il y a eu un petit... Ouais, ok. Il y a un petit blème de hauteur, mais c'est pas très grave. C'est un très grand moment, là, qu'on est en train de vivre. C'est un très, très grand moment. Et j'en ai fait des jeux indés, hein. C'est quoi ça encore? Je suis fatigué. Allez, on va t'en mettre une dans le fiac, ça va te faire du bien. Trigger discipline. Ça, c'est Valorant. Je
comprends rien. Arrêtez de faire genre, il y a un scénario. Vous mettez un cochon, puis une meuf qui mange un truc invisible, qui se retourne, qui disparaît, puis un PNG en énorme. Arrêtez de faire genre, il y a un scénario. Je vous en supplie. Arrêtez de foutre ma gueule. Oh! Que des trucs qui ont aucun sens à la chaîne. Je suis épuisé. Je suis au bout du rouleau. Ah. Oh con. Attends, est-ce que c'est pas un coup de... Non, c'est bon. Ah, il me fixe. Putain, à un moment il va avancer, il va me faire trop peur. Ah, putain. Toi, t'as pas de bras. T'as pas un bras, mais t'as l'autre bras. T'as pas idée ce que je vais dégainer si elle se vénère. T'as pas idée. Je veux pas. No offense, mais vraiment t'es misérable. Je dois le dire. Oh, je dois trouver son bras. Putain, j'ai tellement de gold, je vais pouvoir lui acheter un bras. Le staff de l'hôpital connaît le code pour aller au sous-sol de l'hôpital. Ok. Ah ouais, donc là c'est un tout nouvel arc, ça recycle la toute première pièce du jeu. Hein, si je dis... Il est où? Ok, faut que je le regarde sans je suis mort. Je vous rappelle, l'objectif c'est de trouver un bras. Et l'objectif vient d'être accompli. C'est super. Il verra pas une dernière fois, je pense. Eh hey mec, on a 41 gold, hein. Putain. On a ramassé du gold, hein. Je savais même pas qu'on avait ramassé autant. Tiens, le bras. Et tu pointes 1, 2, 1, 3, 8. 1, 2, 1, 3, 8. 1, 2, 1, 3, 8. 1, 2, 1, 3, 8. 1, 2, 1, 3, 8. Merci énormément. Bye bye. Allez, direction le sous-sol de l'hôpital. Il est où? Il est où le con? Il est où? Ah non, je viens de passer dans une autre phase du jeu, donc en fait, ça marche plus son truc. Oh! J'ai l'impression d'être dans Diablo d'un coup, c'est exceptionnel. 66 gold, non, il nous faut 50% de gold en plus, c'est énorme. La légende urbaine raconte qu'un weirdo creepy surnommé The Swing Boxer existe. Il peut rapidement swing sa tête d'un côté et de l'autre quand il se bat, esquivant les balles et les attaques à longue distance, puisqu'il est incroyablement rapide. Sa faiblesse, c'est sa tête. Et si sa tête est sous attaque, il rentrera dans une rage et il augmentera sa vitesse. Attaquer ses jambes le rendra lent, mais fera beaucoup moins mal. Bon, prochaine fois, marque juste, vise les jambes. Je t'en supplie. Pour le DTR. Moi, je suis très curieux de voir ça et j'ai une immense admiration pour tous les gens qui ont le courage de participer à cet événement parce que ça doit être un énorme respect de ceux qui participent au DTR, les vannes de Billy. Tintin. D'ailleurs, qu'une unité spéciale. Je pense que quand tu meurs, ce que tu vis, c'est ce jeu. Ah, du coup, j'ai pas eu le pompe, mais j'ai un chargeur de grande capacité. J'ai jamais aussi peu... Waouh. Très stylé. Donc, alors, tu es vrai? Tu es fausse. Oh, un œuf! Un œuf! Je
toujours pas compris le délire des œufs. Genre, si je les prends pas, il se passe quoi? J'ai perdu? Non, c'est entre moi et l'œuf. Putain, merde! C'est incroyable ça! Allez. Diary, Weeping Woman, une femme qui pleure pour attirer des proies. Si tu la regardes dans les yeux, elle mangera ton âme. Alors lui, il va les deux. C'est tout? Oh, il y a une clé. Passager 2 clés, ok. Pas de choix. Ah, ça doit être ça. À mon avis, c'est ça. Attends. Ça, on avait lu, c'était chiant. C'est ça, 100%. Voilà, passage 2. On vient d'ouvrir le truc. Peut-être la fin du jeu, mec. Hein. Ah non, il y a un truc à remplir vu que la lampe est rouge au-dessus. C'est terminé, oui. 92 balles. C'est pas le prix des jeux vidéo. L'année prochaine, c'est ce qui nous reste réellement. Crying Woman 2. Elle se téléporte à sa proie, la force à Weak Willed pour regarder dans ses yeux. Elle est immunisée à toutes les attaques physiques. Le seul moyen de la gérer, c'est de trouver son corps et de le détruire. Mais il faut trouver le corps. Peut-être cette pièce-là, on l'a pas fait. On a juste pris la pièce de sous le rideau, là. À mon avis, peut-être, on peut l'ouvrir en un seul coup. Non, vas-y, va te faire foutre. Non, va te faire foutre, c'est trop, là. C'était quoi, ça, frère? Ok, là. Peut-être là, peut-être là, peut-être là, peut-être là. Non, c'est des balles, c'est pas grave, c'est toujours bien. Ça permettra de neutraliser toute chenille qui veut venir nous chercher dans les toilettes. Je suis mort. M plus 2, 3, plus 99. Eh bien, ça fait 52. Auquel on ajoute 5, ça fait 202. Ah, j'ai compris, en fait, c'est une suite. Ok, faut faire 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9, plus 10, plus 11, plus... C'est ça qu'il faut faire? Plus 3, 6. Plus 4, 10. Plus 5, 15. 1 hour later. 78. Plus 13. 91. Plus 14. 105. 2 hours later. Plus 36. 666. Plus 37. 696 et 7. 2000 years later. Plus 40. 820. 800. One eternity later. Plus 8. Attends. Oh putain. Ah, c'est bon, j'ai. C'est bon, c'est bon. Ça fait 5050 logiquement, d'après mon algorithme. Et voilà, je suis trop fort. Je suis trop fort. Putain, les gars, ça valait le coup de compter. Hein. Ça valait le coup de compter, les gars. Là. Il y a un bruit. Il y a eu un bruit. Il y a eu un bruit de quelqu'un qui marche. Je suis fou, peut-être. Ah ouais, non, mais là, il vous faut. Ah ouais, mais toi, il te faut jambes, bras. Tête. Non mais frérot, je peux pas te les prendre à toi si je fais ça. Ah non, hein. Ça m'aurait bien arrangé cette histoire. Y'a un truc qui me suit. Hein. Là je vous le dis, y'a un truc qui me suit. Regardez, vous entendez? Non, là y'a pas. Voilà. Oh putain, c'est un hit. Bon, ça devient intense là. Oh là là, je commence à passer un mauvais moment. Ça, c'est le truc vraiment de trop, c'était gratos. Oh là là, mec! Alors là, il y a une clé, 100%. Il y a une clé dans les chiottes tous les jours. Regardez bien, je connais mon jeu vidéo. Je connais les jeux vidéo. Je suis ce gamer. Regardez bien. La tête de la nurse, voilà. C'est pareil. Ah! Venez, on prend l'air un peu. Prends l'air. C'est insoutenable. Soyons honnêtes, c'est insoutenable. Je suis victime de mon succès. Alors, ça, on a clear. Il y avait rien. Après, des fois, la clé, elle est par terre. Ah, il y a un bras, putain. Les gars, on a bien récupéré. S'il vous plaît. Les gars, on. Encore? Mais putain, mais ça, c'est horrible, c'est quoi? Oh! Putain! C'est incroyable, gars!
c'est plus éprouvant que Supermarket Simulator quand t'as commandé 18 tonnes de pain sans faire exprès. Et c'est vous dire, oui ! Oui ! Oui ! C'est là. Oh ! J'avais tout dans mon sac ! Oui ! Non ! Je me brûlerai pas noir ! Non ! Je me brûlerai pas noir ! Ah, pas comme quoi j'étais petit et qu'on faisait des brûlures indiennes, comme ils appelaient ça, ah, contre mon gré. Ah, c'est bon. Ok. La clé, la X-Ray Room Key. Tout part de là. X-Ray Room, c'est bon. C'est bon. Du coup, j'ai le passage 3, Key. Un œuf, tabarnak, mais c'était complètement dingue. Key of T, c'est juste à côté. Là, comme je veux tuer un œuf, il y a quelqu'un qui va arriver. Je me mets bien derrière. Bam, 4 sur 6. Plus que 2 heures, on a fini le jeu. Il est arrivé très très vite. Il est arrivé vraiment très vite. C'est vrai. Bien joué. Donc là, j'ai eu la clé d'une autre salle qui était fermée. Je crois que c'est elle juste à côté d'ailleurs. Je crois que c'est elle. Ouais, la City Room, c'est bel et bien elle. J'ai 2 balles et 15 balles. Je détruis son corps. Ah mais oui ! Comme ça, elle fera plus jamais chier. Mais voilà, gars. Et logiquement, on est tranquille. Logiquement. Passage 3, boum. Voilà, merveilleux. Donc là, on arrive là, il va y avoir un monstre dans pas longtemps. J'ai toutes les balles nécessaires à aller. Je viens d'entendre. Là, j'ai reconnu, c'est le bruit de quelqu'un qui marche pieds nus. Regardez, il va être à droite. Oh non, c'est quoi les mannequins là-bas? Oh non, ça vit, hein. Alors, qu'est-ce que je dois trouver? Un œuf. Ah bah, plus que 2 œufs, gars, en vrai. Donc là, on sait, hein, on sait ce qui va se passer. En fait, le... Les gars, plus qu'un œuf! Même si la police a dépensé énormément d'énergie et de force professionnelle et a mené une investigation très profonde pour essayer de comprendre les événements bizarres qui ont lieu dans l'hôpital, ils n'ont vraiment pas réussi à trouver des preuves. Résultat, l'hôpital XXX, qui était, il fut un jour, un centre médical occupé, petit à petit devenu un labyrinthe infernal. Sa réputation en a pris un coup. Tout le monde a fini par abandonner l'hôpital. C'est fini? Oh! 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 Pas après tout ça! Pas après tout ça! Pas maintenant! Pas maintenant, pas après tout ce que j'ai fait! Pas après tout ce que j'ai fait! Pas après tout ce que j'ai fait! Certainement pas! Certainement pas! Il me faut des balles dans pas longtemps! Cet œuf est à moi! Ce jeu est terminé! Oh non! Je dois revenir en arrière et suivre le pompier. Il y a le pompier. Ou. Par terre à côté du bar, je ne peux plus vous croire. Je vais suivre le chemin de cet enfant zombie et gagner ce... Oh non. Des balles. Il y a un fond vert ou quoi qui stream là? Oui, je vous ai à l'œil. Oh mon dieu. Le jeu est fini! Wouh! Oh la main! Putain, on n'aura même pas une pompe, frérot! On n'aura même pas une pompe! Je suis dévasté! Il est où le pompe? On peut même pas l'acheter? Ah si, il est là! Oh! Oh! Hi, hi. Les jeux vidéo ne rendent pas violents. Et on terminera ce jeu sur cette phrase.